Ah, si, si. Venez, venez, venez. Ouais. La première fois que j'ai vu Sydney, j'étais avec mon frère. À la télé, on devenait fou, on ne savait pas qu'on ne lâcherait pas l'affaire. On breakait sur des cartons, ça se passait avec des potes. On était gosses, sans le savoir, on faisait du hip-hop. 88, au lycée, un vrai b-boy. Des coupes en escalier, on fait les zoulous dans les clubs. Public ennemi au zénith, ça fait flipper la France. Comme les bandes qui traînent sur le parvis de la défense. Des Cheharas pour des Burberrys, des Weston, des Levi's trop grands. Les parents se questionnent, mon ref a décidé d'arrêter l'école, je l'encourage à être DJ contre la vie de ma daronne. À l'époque, on est très peu à écouter du rap, si peu nombreux que dans le métro, on se reconnaît sans mal. 89, une année déterminante, Mistadi rencontre Abuse, le système entre dans la danse, ça commence fort. C'est l'époque des concerts, je suis backer, danseur sur scène, je viens en renfort à Maison Alfort. Mista trouve un petit job, donne des cours de platine à des jeunes qui ont le mort. Attention au talent, il y avait Sunkai, Karine, Babé, Rootsnake, Payès, d'autres encore à l'époque. Ça rap polémique, le rap devient commercial avec Solar Alliance Ethnique. Ceux qui mettent tout le monde d'accord, c'est les sages pots. On enchaîne les dates, souvent y'avait Fab et Sneo. Je fais mes premiers pas sur un vieux poste avec Papy Fredo. Alors ma chambre est devenue un studio. Dans le 19, les fois de moi sont difficiles. Des fois y'a pas de courant, les journées le ventre vide. La musique est suicidaire, mais on peut se tuer pour elle. Je sèche les cours, je rattrape les heures de sommeil. La petite équipe se forme avec Mista, Choukri, Faouzi, Storka, Abuse, Babé, Papy et moi. Je vais m'étendre dans ce mouvement où j'ai vu grandir tout le monde. À part les old-timers, c'est un nouveau tournant. On enregistre un premier disque grâce à l'argent du biz. Obligé, je dédicace la famille Ben Kélif. Maintenant j'ai un 4-piste, j'enchaîne les séances. Chez moi tous les rappeurs, cette putain de bonne ambiance. Dans le quartier, je connais Oxmo Puccino. Comme il habite à côté, ensemble on déchire le micro. Du freestyle à la demande, jusqu'en 95. Je rencontre Princesse Agnès, on a marié nos destins. On enchaîne les concerts et les mixtapes, les plans ghetto en RER pour aller poser un 16. Notre album on le voulait, on s'est battu pour ne pas vendre, on s'en foutait. C'est le début de mon parcours. On arrive en 9, 6, 9, 7, l'âge d'or. La grande époque du rap, celle que j'écoute encore. Des projets de légende comme Guetapant, l'Armada. Demande à Kerry James, Rof, Moko, Rimka, AP, Carlito, Express D, Manuquet, Nizel, Escadrille, Koma, Wekwe, Diams, Don Choa, Pit, Doudou, Matsta, Daddy Lord C, N.A.P. Ali ou Booba. J'ai enchaîné l'album avec de la hard. Notre force c'est le live, les radios boycottent. En 2000 c'est le vide, quand l'industrie licencie. On ne parle que de chiffres, en indé c'est l'offensive. J'ai pas lâché le mic, je suis retourné dans l'ombre. Après les strass, les paillettes, les big up, les psartec. Nouvelle époque et même équipe, y'en a qui partent et qui viennent. Dans le rap, pas d'éthique, de la joie, de la peine. Yeah, c'est ça le dédicace. Tout ce qui lâche pas l'affaire depuis des années. Si si. Si 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 si. Voilà, SKS Crew, Malika, Mec Lyrical, Ousmane. Voilà, la nouvelle garde. La vraie avant-garde du rap français. Voilà. Si si.